Yeah, mes cheveux partent dans les airs, yeah, quand je rappe dans le désert, yeah, de Las Vegas, j'ai la cible double face, j'suis l'unique héritier de mon père, comme Bruce Wayne, dans la trappe house où tout se passe, tu veux test, tu finiras la tête dans la litière, et d'un copie, j'lui caresserai la chatte, pour qui tu te prends. Hey yo les gens, c'est Skrivox, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va tranquille, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 pour mon meilleur gameplay que j'ai réalisé jusqu'à maintenant sur le jeu. Ça va tout simplement être un World First puisque ça sera le premier titre explosé, enfin plutôt V2 roquette vu que maintenant j'ai monté toutes mes divisions, du coup j'ai accès à la bombe. Donc ça sera une V2 roquette en mêlée générale avec le pistolet P08. Et donc c'est la première bombe au pistolet en mêlée générale, mais je pense que c'est aussi celle en général quoi, parce que j'ai cherché vite fait sur YouTube s'il y avait déjà eu des V2 roquettes au pistolet en général, même pas forcément le P08, que ça soit l'autre ou l'automatique là, mais j'en ai pas trouvé. Alors après j'ai pas non plus cherché pendant des heures, mais je pense que voilà, c'est la première nuque au pistolet et je suis vraiment super content d'avoir tapé ce gameplay parce que je le tente depuis 2-3 jours et j'ai fait vraiment pas mal de fails. J'ai fait des fails en 21, 17, 18, 16, j'ai fait vraiment plein de fails et ça commençait vraiment à me saouler. Là ce soir je suis rentré chez moi tout à l'heure et j'ai fait quelques games. Et à un moment j'ai vu que j'étais dans un salon sur cette map là. Cette map là elle est vraiment parfaite pour tous les gameplays un peu compliqués on va dire. Enfin c'est la map où tu peux jouer vraiment le plus safe je trouve en mêlée générale. C'est un peu l'équivalent d'aquarium quoi. Tu peux tenter un peu tout et n'importe quoi. Et donc j'ai vu que j'étais sur cette map contre des gens mauvais. Je me suis dit vas-y on va essayer au pistolet. Et c'est passé. Donc j'étais vraiment super content. C'est pour ça d'ailleurs que je parle pas hyper fort. Parce que comme là on est la nuit et qu'il y a tout le monde qui dort chez moi, voilà je tiens pas trop à réveiller ma famille. Mais bon voilà, j'étais un peu obligé de vous faire le commentaire à cette heure là si je voulais vous sortir la vidéo le dimanche, parce que je sais très bien que dimanche j'aurais eu la flemme et après je l'aurais pas fait le dimanche, je l'aurais pas fait non plus cette semaine et au final je vous l'aurais sorti que le week-end prochain. Donc après il y a pas mal de chances qu'on me vole le world first et voilà, j'en ai pas trop envie, j'ai vraiment envie de sortir le gameplay en premier pour revenir un petit peu avec du lourd. J'espère d'ailleurs que ce gameplay vous plaît, si c'est le cas n'hésitez pas à y laisser un gros pouce bleu, ça vous coûte rien et ça me fait vraiment super plaisir. D'ailleurs sur la vidéo de mon retour, on a atteint les 100 j'aime. Donc voilà, c'est pas énorme, 100 j'aime pour 12 000 abonnés, c'est même rien clairement. Mais voilà, le fait d'avoir réussi la barre que je m'étais fixée, ça me fait super plaisir. Maintenant je vais vous présenter vite fait le gameplay comme à mon habitude. Donc j'étais en mêlée générale hardcore. Alors ouais, encore de l'hardcore sur la même map, c'est vrai que ça fait un petit peu répétitif. C'est pas de chance, mais vous inquiétez pas, il y aura plus trop de gameplay hardcore, enfin pour mes prochaines vidéos en tout cas. D'ailleurs j'ai déjà fait une V2 roquette là tout à l'heure encore à la PPSH. Je pense pas que je vais la poster parce que voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais pour vous dire que voilà, j'ai commencé à jouer encore un petit peu et là j'ai juste fait ce gameplay en hardcore parce que sinon c'est vraiment trop chaud. Genre faire ce gameplay là en normal, c'est presque impossible. Bref, donc je vais vous détailler la classe que j'ai utilisée pour réaliser ce gameplay. Donc j'avais bien évidemment le P08 avec le chargeur grande capacité, comme vous avez pu le remarquer, c'est un accessoire qui se voit pas mal sur ce pistolet. J'avais la division montagne pour être en silence de mort, invisible par les drones et toutes ces conneries. Et j'avais l'atout pour ramasser les munitions par terre. Et j'avais aussi la mine comme un bon gros enculé parce que tout simplement ça me fait trop craquer en hardcore en fait. Il y a trop de gens qui jouent avec ça, mais c'est vraiment incroyable. Genre il y a vraiment que ça partout. Et du coup voilà, c'est un peu ma vengeance de jouer à la mine moi aussi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à y laisser un j'aime et un commentaire. Si on pouvait encore atteindre les 100 likes, ça me fait vraiment super plaisir les gars. Et puis voilà, donc le gameplay va pas tarder à toucher à sa fin. Je vous laisse sur la fin s'il reste quelques secondes. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Appareil de contre-reconnaissance ennemi, rien d'artillerie ennemi. Mettez-vous à couvert. Appareil de reconnaissance ennemi dans le ciel. Fusée V2 parée au lancement. Fusée V2 lancée.